بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين mes chers frères, mes chères sœurs. Allah a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans et il nous a spécifié les 5 piliers de l'islam. Il y a deux sourates dans le Coran qui sont très particulières, qui sont sourate al-Furqan, car le Furqan c'est le nom de Coran, et sourate Muhammad qui est au nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Muhammad est la seule sourate où les deux noms sont réunis, Muhammad et Al-Qur'an. Le nom Muhammad vient dans le verset numéro 2 de sourate Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Et le mot Al-Qur'an vient dans le verset numéro 24 de sourate Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Si nous comptons les versets à partir du verset 2 où nous avons le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au verset 24 où nous trouvons le mot Al-Qur'an, nous trouverons 23 versets. Et 23 est aussi le nombre d'années de la révélation du Coran. Subhanallah. Surat Al-Furqan a le numéro 25 et compte 77 versets. Et Surat Muhammad a le numéro 47 et compte 38 versets. Le nombre total de versets, 77 plus 38 est égal à 115. Et 115 est égal à 23 fois 5. Et 23, comme on a dit, est le nombre d'années de révélation du Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et 5 est aussi le nombre des piliers de l'islam. Subhanallah. Dans le Coran, le nom Coran se répète 68 fois. Et le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le numéro de surat Muhammad est 47. Si on fait 68 plus 47, nous trouvons 115. Et 115 est égal encore à 23 fois 5. 23 est le nombre d'années de la révélation du Coran. Et 5 est le nombre de piliers de l'islam. Comme nous le savons, tous ceux qui veulent le monde ci-bas, ad-dunya, et l'au-delà, al-akhira, doivent suivre ce que Allah a fait descendre sur son messager pendant les 23 ans, qui est le Coran. L'étonnant est que les mots « ad-dunya » et « al-akhira » sont répétés dans le Coran avec le même nombre de fois. Mais savez-vous combien de fois chacun? En effet, le mot « ad-dunya » se répète 115 fois dans le Coran et le mot « al-akhira » se répète aussi 115 fois dans le Coran. Et 115 est égal à 23 fois 5. 23 est le nombre d'années de révélation du Coran et 5 est aussi le nombre de piliers de l'islam. Subhanallah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته